Nancy face à Toulouse, deux formations qui n'ont pas réussi à gagner lors de la première journée. Nancy a perdu 2-1 à Pau. Toulouse a fait match nul 2-2 à domicile contre l'AC Ajaccio. C'est un match qui promet entre deux équipes qui sont celles qui ont le plus marqué en 2021 en Ligue 2 BKT, hors celles qui sont montées en Ligue 1 Uber Eats. Il peut donc y avoir pas mal de buts dans cette rencontre. Nancy est privé de sa dernière recrue, Young, le meilleur buteur de National. Il ne peut pas encore jouer ce match, alors que Toulouse doit évoluer sans Amin Adli, suspendu. Les Toulousains espèrent bien véritablement lancer leur saison avec une victoire. Premier ballon en faveur des Nancéens dès le coup d'envoi de la partie. La touche obtenue par Nancy. On est dans les toutes premières secondes de la partie. Nancy essaye tout de suite d'aller à l'attaque. Avec une possibilité de centre peut-être. C'est récupéré par la défense toulousaine. Et ça repart vite vers l'avant. L'ouverture de Branko van den Boomen vers Rhys Hillet. L'attaquant anglais est seul. Il est dans la surface. Il aurait pu jouer avec un coéquipier. Seul, il va au bout. Dès la première minute de la partie, Toulouse mène 1-0, la contre-attaque fulgurante, le deuxième but de la saison déjà pour Rhys Hillet. Toulouse mène 1-0 sur sa première attaque. Le match est bien parti pour les visiteurs. Performance de choix pour Hillet. En solo, il va au bout et Toulouse insiste. Avec van den Boomen au corner, la reprise de la tête de Ruben Gabrielsen. Montée de la défense, le Norvégien porte le score à 2-0. À la 27e minute, c'est son premier but de la saison. Toulouse se détache et la défense de Nancy est en difficulté. Les Toulousains toujours aussi impressionnants. Encore van den Boomen pour servir cette fois-ci Anthony Rouault à la 41e minute. Presque copier-coller du deuxième but, ça fait 3-0. Et premier but en Ligue 2 BKT pour Anthony Rouault. Toulouse est beaucoup plus efficace et Nancy n'arrive pas à aller de l'avant et être dangereux. 3 buts d'avance pour le TFC. En seconde période, ça s'annonce compliqué pour l'équipe lorraine. Toulouse est assez tranquille sur le terrain. Nouvelle longue ouverture pour Toulouse. Et la possibilité d'apporter du danger encore avec ce centre de Ngoumou et la reprise de Rhys Hillet à 20 minutes de la fin pour un doublé. L'anglais est toujours aussi efficace. Troisième but de la saison pour Rhys Hillet. 4-0 pour Toulouse. Il a mis 14 buts la saison dernière, plus 1 en barrage. Rhys Hillet est parti sur de bonnes bases. Le nouvel entraîneur de Toulouse, Philippe Montagnier, est content de l'attitude de ses joueurs et du résultat. Succès sans aucune discussion, le premier de la saison pour Toulouse. 4-0 sur le terrain de Nancy.